Bonjour les amis, bienvenue sur The Long Dark. Alors voilà, on est au bureau du camping là. Il reste 13 heures de jour, on est reposé, on a tout ce qu'il faut. Voyons voir le sac à dos, 26 kilos. Ok, alors je vais me débarrasser de l'arc. Il va falloir que je fasse un peu le tri là. Les allumettes, je vais les garder. La lampe, je sais pas si je peux la remplir ou pas. Elle est pleine, c'est bon. Les flèches, je vais les poser. Ça, je garde. Quoique, j'en ai peut-être pas besoin. Là, je vais laisser sur place. Hein. J'ai pas beaucoup d'eau. Les massettes, je les garde. Un couteau à 94%. La hache à 91%, c'est bon. En fait, je vais partir sur Forlorn Muskeg. Et c'est pour ça que je m'allège. Je garde les torches, trois bouts de tissu. Ok, je garde les fusées. Gros boîte, oui. Peut-être que je n'aurai pas besoin de tout. Il n'y a pas une trousse à médicaments quelque part. Ah, mais je vais les déposer. Ouais, tout ce qui est cynorhodon et compagnie, là, je vais le déposer par là si j'ai encore de la place. Ouais. Alors, je vais tout déposer là. Voilà, de toute façon j'en ai assez sur moi de préparer déjà. Qu'est-ce que je peux déposer ici? Le Fire Steel, je le prends. Peut-être des plumes ou des trucs comme ça. Non, j'ai même pas de plumes. Ok. Je vais déposer par là, un peu au milieu, tant pis. Mais alors, de quoi je vais me débarrasser? La flèche là, 43%, celle-là je vais pouvoir la recycler, mais bon, en attendant je la jette, celle-là aussi. Je garde l'accélérant, je garde mes trois boîtes là de couture. Je vais peut-être jeter celle-là. Petite réparation fusil, ben le fusil que je vais prendre, je vais essayer de le mettre à 100%. Ça je garde. Le réchi, je vais le jeter aussi. Les stimulants d'urgence, je les garde. Tablette de purification d'eau, non, je prends pas. Les trucs de pêche, ouais, peut-être. Il me reste deux comprimés ici, je vais peut-être les garder, je les utiliserai à la place d'une tasse. Ouais, ok. Donc là, je suis à 23 kilos. Je crois que je n'ai pas le sac de couchage, ni le fusil. Ouais, le fusil, ouais, il pèse pas mal. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai comme fusil? Je sais que j'en ai deux. Un qui est ici. Hop. Un qui est ici, là. Celui-là, il est à 100%. Ah ben, je vais le prendre, hein. Ouais. Alors, j'ai plein de balles, en principe. Là, j'en ai 20 cartouches. Wow. Nickel. Nickel, nickel. Je les prends. Et celui-là, il était à combien, celui-là? 92. D'accord, je vais le laisser sur place. Des pièges pour les lapins, je pense pas que j'en aurai l'utilité. Waouh, c'est à moitié d'or, là, les trucs, là. Bon, tant pis. Ah, il faut que je prenne un peu d'eau, quand même. Là, quoi? 1 litre. 2 litres. Et le sac de couchage. Et je suis déjà en surpoids. Qu'est-ce que j'ai comme nourriture sur moi? Ben, plus grand chose, quoi. J'ai ce bout de loup à 0%, là, qui pèse. 2 litres 85 d'eau, quand même, c'est beaucoup. Ouais, je suis à 30 kg 29. Ok. Bon, ben, on va partir comme ça. J'espère que dehors, le temps est un peu clément. Je sais pas du tout. Allez! On y va, je pense n'avoir rien oublié. Au niveau des fringues, on n'est pas trop mal, je crois. J'avais réparé les bottes, le pantalon, les mitaines en peau de lapin. Le reste est pas mal. Ouais, 95% ici. Allez, ça ira. Ok. Allons-y, cette fois, je prends le fusil parce que je crois que là-bas, il y a beaucoup de loups. Et quelques ours, peut-être. Allez, on y va.
C'est parti. Le 22 cartouches. Je vais peut-être recharger là parce que le fusil est vide. Voilà, il met deux chargeurs. Très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le fusil. Donc ça sera peut-être l'occasion d'augmenter les compétences. Ouais. La dernière fois, j'avais tué un loup par là. Je vais prendre les petits bois sur le passage, mais sans trop dévier de ma route. Attention qu'il n'y ait pas de loup qui surgisse du bord. Donc je suis la voie de chemin de fer jusqu'au tunnel, au bout. Allons-y prudemment. Ok. Ok, je vois rien dans les parages. Quelle température il fait là? Ah ouais, moins de 12 quand même. Waouh. Je sais pas quel temps il va faire de l'autre côté. D'après ce que j'ai vu, il y a assez peu d'abris sur la carte. C'est un marécage où la glace est très fragile. Pas de loup dans le coin. Ok. Je crois que j'étais déjà venu fouiller par ici, oui. Oui, j'étais déjà venu. Pas d'ours. Pas d'ours. Ah, il commence déjà à avoir froid. Je vais rejeter un coup d'œil par là, mais j'avais déjà regardé. Ah bah, il y a aussi un pied de biche là. Qui en principe n'est pas top, je crois, non? Ah, c'est, ouais, 51%, ça c'est vide. Ouais, ça a déjà été fouillé. Allons-y. Nous y voilà. Il fait moins de 10 degrés. On est un peu gelé. Muskeg morne. On va suivre la voie, je pense. Dans un premier temps. Il reste 12 heures du jour, oh ben ça va, on est au petit matin là. Oh, je vois des arbres pour faire des flèches là-bas. Des petits arbustes. Mm-hmm. Je crois qu'il y a pas mal à explorer sur cette map. Bon, je vois les wagons loin là, donc je vais m'y rendre. On n'est pas trop essoufflé, non, ça va, surtout froid quoi. J'espère qu'il y aura assez de bois. Là j'en vois, mais je sais pas si celui-là on peut le couper, ça a l'air d'être un très gros morceau. On va bien voir. Ouais, je me méfie. Je ne vois pas de loup dans les environs.
Ouais, t'as froid, ouais. Moins 9, ça se réchauffe, mais pas suffisamment vite. Peut-être qu'il va falloir faire un petit feu là. Je sais pas. On n'entend pas de corbeau. C'est d'un calme surprenant. Toujours ce vent glacial, moins 8. Ah, je crois que la nouveauté dans cette carte. Ah! Je l'ai eu. Waouh! Est-ce que la glace. Je vais prendre 1 kg. Je prends pas la peau. Ah putain, j'ai entendu un autre loup, je crois. Waouh. Bonjour, le comité d'accueil. Bien, on est dans le wagon. Il y a un tas de choses, je vois. Une scie à métaux, du bois. Ouais, je vais prendre le bois. Ici, on a quoi? Analgésique, non, je ne le prends pas. La scie, bah, non, je ne la prends pas. Ça, c'est quoi? Gilet de sport. Non. Oh, les cartouches. Bien. Alors, le charbon. Je vais le. Ah, je peux faire un feu là-dedans. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Je prends le bois de récup là. Qu'est-ce qu'il y en a là-dedans? Ah, rien. Même pas un petit peu de nourriture. Non, je prends pas le journal, j'en ai pas besoin. Ouais, ça c'est bien. Alors, il faudrait que je prenne du bois. Je vois des corbeaux loin là-bas. Ok. Oh, branche de cèdre, oui. On prend, je suis en train de me geler. C'est pour la bonne cause. Et là, il fait moins 1. Ça va. Ouais, t'as froid. Alors, ces petites broussailles, ouais, j'en étais là. On peut les décomposer, ça demande 10 minutes. Et ça fait 7. Petit bâton. Oh, il me semble entendre un loup qui gémit. Ouais, je suis sûr d'avoir entendu. Ouais, j'entends. Il est pas loin. Wow. Il est derrière, à tous les coups, il est de l'autre côté du wagon. Bon, on va faire un feu là parce que je suis en train de me geler. Alors, je suis à 85% de chance que je mette ou pas du petit bois. Ben, je vais le mettre quand même. Ça me débarrassera. J'ai de l'accélérat, mais je pense que ça sera pas nécessaire. Allez, on va faire un feu. Ouais, donc je pense qu'il y a un loup qui tourne dans les parages là, autour des wagons. Ah zut! Il faudrait que je le voie avant qu'il me voie. Alors, le feu va-t-il prendre? Mais pourquoi il a gémi, le loup? Je comprends pas. Comme si quelque chose lui avait fait peur. Allez. Voilà. On va rajouter des petits bâtons. On va faire pas mal de feu. Ok. Très bien. J'ai 1 kg de viande à faire cuire là, le viande de loup. Crue fraîche. Voilà, c'est celle-là. Cuire. Ah, et en plus, il a faim.
Ok, on est bien réchauffé. Ouais. Je vais manger cette viande de loup. J'espère ne rien attraper comme maladie. 840 calories, c'est énorme, c'est bien. On va boire un bon coup. Voilà. On n'est pas trop fatigué là? Non, ça va. Bon, fallait peut-être que j'aille rechercher. J'entends les loups. L'ours! Oh la vache! Vous avez vu? Attention, c'est que il court. Il court vite. Il court vite l'animal. J'ai tiré une balle dans les fesses, mais je sais pas où il est. Bon, ça va que j'ai 7 heures de feu là, mais ah, il n'y a pas de fenêtre. Ouah, le bruit. J'ai l'impression d'être cerné de partout là. C'est peut-être pas qu'une impression, remarque. Il n'y a rien là, on voit rien de plus. Ah là là, dommage qu'on puisse pas ouvrir la porte de ce côté-là. Bon, il est où? Je ne vois rien dans les environs, pourtant l'ours. À mon avis, il va pas lâcher la partie comme ça. Hein. Ah, il est là-bas. Ah ouais, je le vois là-bas. Je l'aurai jamais de là. Ah, on dirait qu'il revient par ici. Ah, il y a un loup qui a eu peur. Mais je ne sais pas où. L'ours, il est où? Ah, il est derrière. Ah, il est vachement loin là-bas. Bon, j'ai pas mal de cartouches, je suis pas fatigué. Si je tire un peu en hauteur là. Il vient par ici, hein. Non, à mon avis, c'est beaucoup trop loin. Bon, ben on a déjà vu un ours. Et il y a les loups qui me courent après. J'aimerais bien savoir. Ah, je peux plus passer là. Attention à l'ours là, que si jamais. L'envie lui prend de courir. Ah, il est là, il est là. Je peux pas la voir de là. Ah, là, il y a l'arbre. Ah, il passe devant l'arbre, d'accord. Ah, il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il fait? Il gratte la terre là, la neige. Ah, trop loin, trop loin. J'aimerais bien qu'il revienne un peu par là. Il y a un loup qui va m'avoir par derrière. Où est-ce qu'il va l'ours là? Il est trop loin. Peut-être par là.
Pas de loup. Non. C'est déjà lourd. Ça va, attention parce qu'il court vite, hein. Ah. Ouais, il court vite, il court vite. Il devrait se pointer là. Ah. Alors. Ah bah ça commence bien cette carte. Il est où? Et si je sors, il va être pile devant moi. Là, il n'y a rien. Je ne vois rien dans les parages. Alors je vais prendre... Ouais. On va mettre le charbon là. Voilà. C'est bon, j'ai encore du temps pour le feu. Par contre, je sais plus où est passé l'ours. J'ai l'impression d'entendre des pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche pas loin du tout. Ouais. Ouais, il est là. Putain, j'ai raté. Je l'ai eu. J'ai eu l'ours. Waouh, j'ai eu l'ours. I'm gonna have to leave something behind. Ouais. Alors, on va prendre 5 kilos de viande. Déjà ça. Ok. La fourrure, je sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire. Impeccable. Ah, mais je peux voir ici si j'ai le loup. Ça va. Je vais laisser la viande devant. Là, ici. Waouh, le beau morceau de bidoche d'ours. Hop. Jeté. On va aller en récupérer encore un peu. Pas de loup à l'horizon. Non. Ah ben je suis content de l'avoir eu lui. Allez, 7 kilos. Ça devrait augmenter mes compétences de collecte. On n'est pas trop essoufflé. Ah, il a du mal à avancer là. Normal. J'ai de quoi durer un petit moment avec le feu là. Donc c'est très bien. Voilà, je suis à 31 kilos. Je vais manger mon morceau ici. Boire un coup. Voilà. Plus que 2 litres d'eau. Ça va. Campement du braconnier. Toujours pas de loup. Dans les parages, le brouillard est en train de retomber. Allez, on va essayer de le dépecer complètement. Encore 12 kilos. La vache. 6 heures de jour, ben, on la voit plus. Ouais, je sais. Merde, il est où? Là.
J'ai vu qu'il y avait une grosse branche, il me faudra peut-être aller la chercher. Tiens, j'entends les loups. Hop, jeter. Peut-être un peu de bois. Waouh, le brouillard. Ah, ouais, bon, allez, on décompose ça. Ouais, j'ai vu une belle branche là. Si je peux la prendre sans être embêté. Voilà, le jour est en train de baisser, mais je pense que je vais finir de récolter. Ouais, trop lourd déjà, ouais, je suis désolé, mais... Allez, 4 kilos, je vais prendre la peau. Ah, il a plein de boyaux, 10 boyaux. Oh là là, bah, je les prends pas, oh, quoi que... Allez, j'en prends 4, ça fait combien là? 1h19, ça me paraît beaucoup, 3 heures de jour. Ok. Ah, le temps s'est éclairci. On voit qu'il n'y a rien aux alentours. Je regarde bien. Ok. Voilà, il peut pas courir, c'est normal. Il y a beaucoup trop. Ouais. Alors, je vais peut-être faire cuire, rajouter un bout de charbon, peut-être. Charbon. Ah ouais, j'ai plus qu'une heure 23, donc... Il va me falloir effectivement. Voilà, j'ai pour 9 heures de feu. Alors, la viande d'ours, elle est déjà faisandée. Ah ben, dis donc. Elle est déjà à 80%, c'est tout. Allez, on va faire cuire ces quelques morceaux que je laisserai aussi dehors. Je vais en garder un ou deux sur moi. Manger, boire. On est en train de se fatiguer. Il reste plus que 2 heures de jour. Ça serait bien que je ramasse encore du bois parce que je vais devoir passer la nuit. Allez, deux morceaux à faire cuire, il reste plus qu'une heure de jour. J'ai encore un bout de charbon ici, mais je sais pas si ça va. Viande d'ours. Ok, je vais faire 2 litres d'eau que je vais laisser ici. Au cas où. Allez, vas-y, il fait nuit, voilà. Il ne doit pas avoir froid quand même, là. On fait bouillir ça. On va rajouter... Donc, il reste 10 heures de nuit. Ça serait bien si je pouvais faire... Ah, cuisine niveau 5, mètre. Ah bah, c'est super. Alors, on va jeter 2 litres d'eau. Voilà, je vais jeter ici également, alors j'ai combien là, un kilo, un tout petit morceau ici, ok, jeter, je mange ce petit bout d'ours, ce plus gros morceau, 1125 calories, ah ouais, c'est énorme, on boit. Ok, et là en principe on est juste crevé. Alors, il n'y a plus de bout de charbon je crois. Dommage qu'on ne puisse pas faire brûler les vêtements. Il n'y a plus de charbon dans le coin là. Si, là. Ouais, je vais peut-être arriver à faire mes 10 heures. Ouais, le vent souffle dehors. Alors, je suis à 6 heures. Charbon. 7 heures. 8 heures. 9h45 de feu et je pense que je peux arriver, voilà, à 10h. Je peux même en rajouter encore un peu. J'ai pas mal de bâtons. Voilà, 11h de feu. Donc là, on est plutôt bien si le vent ne m'embête pas. On est juste épuisé. Donc, est-ce que je peux mettre le sac de couchage? Ouais, c'est bon. Je vais le mettre peut-être dans le coin par là. Voilà. Et je vais me reposer ici. Voilà. Donc là, on va dormir. Reste 10 heures.
Jette un coup d'œil dehors là. Combien il fait là? Non, il fait pas 58 degrés là. 5 degrés. J'ai encore le loup qui est là-bas. Ouais, on pourrait faire un tour là. Voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Je ne vois rien. C'est quoi ça? Hop, du cèdre. Du métal. Oh, du café. Ah non, tomate. Sardine. Ah, j'avais pas fait le tour. Du charbon, très bien. Pas de loup. Ici, nous avons une fusée, ouais. Je prends pas. J'entends les loups aboyer. Je sais pas si vous les entendez aussi. C'est quoi ça? Casquette de baseball. Ouais, ça me fera du tissu. Ce bois-là, on ne peut pas le découper. Je sais pas si on peut monter. Non, on ne doit pas pouvoir monter dessus. Ah putain, il est juste là. Il y a un loup juste là. Je l'ai eu, c'est celui qui me tournait autour. Enfoiré. C'est quoi ça? Il n'y a rien à récupérer là? Non. Eh, j'ai deux carcasses de loup là? Ah ouais, c'est les deux carcasses de loup. D'accord. Bon, faut que je retrouve mon chemin dans tout ça. Voilà. Eh ben, je crois que la journée a été assez mouvementée pour aujourd'hui. Putain, comment on est là? On est juste épuisé, il reste 9 heures de nuit. Ok, et le feu, j'en ai pour un peu plus que ça, je crois. 10h29. Ok, eh ben, on va dormir. Je vais peut-être rajouter, je sais pas si je vais pouvoir le mettre. J'ai pas voie de chauffage, si, je peux le rajouter. 11h33 de feu, j'ai un charbon encore. Ok, bon ben je dors 10 heures. Allez, c'est parti. Sacrée journée. Waouh, ça a commencé fort là. Un ours, deux loups. Ça y est, le jour est arrivé. Bon ben je pense qu'on va se quitter sur cette belle journée qui s'annonce. Il reste encore 3 heures de feu. Super, je vais pouvoir faire cuire encore un petit peu de viande. Ah, t'as soif? Oui, pardon. Il a soif. Alors sur ce les amis, ben on va en rester là. Je vous souhaite de rester au chaud. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Dorkin Croquette sur Forlorn Muskeg. Ça commence fort. À la prochaine les amis. Ciao ciao. Et si vous aimez, n'oubliez pas un petit like. A plus plus. Ciao.